Phénopasto, c'est un projet porté par le Centre Ovin des Pyrénées-Atlantiques, FEDATES, l'INRAE et l'UDEL. Donc il a pour objectif d'étudier des caractères de résilience et d'efficience en ovins laitiers et allaitants qui soient sélectionnables à court ou moyen terme. Alors le projet il va être mené sur les races laitières des Pyrénées, côté laitier, donc les races Manèche et la Basque-Auvernaise. Et en allaitant, il va être mené sur la Blanche du Massif Central principalement, mais également sur la Limousine. On va travailler sur des caractères comme la résistance au parasitisme, la survie des agneaux, ou encore les émissions de méthane ou l'efficience alimentaire. Donc c'est des caractères qui ont un impact quand même assez direct dans la conduite des élevages, notamment la résistance du parasitisme. Alors, il y a déjà des races dans l'Ouest qui ont travaillé sur ces caractères-là, par exemple le mouton vendéen ou la rouge de l'Ouest, et donc qui sont intéressés par le processus, les méthodes qu'on va mettre en place dans le cadre du projet, notamment sur l'évaluation génétique. Et c'est un des objectifs de ce projet-là, de transférer nos méthodes d'indexation à terme au Racer projet.